Salut à tous, je me présente, je m'appelle Arnaud Laporte, je viens de Paris, France, et je suis en deuxième année au Cégep de Thetford. Récemment, j'ai choisi d'aller à l'Université de Laval, et aujourd'hui, je vais vous présenter les résidences du Cégep. Donc, je vais vous présenter comment ça marche aux résidences de Thetford. Donc, premièrement, il y a des inspections tous les mois qui sont faites par le gardien, Monsieur Steve Woodrow, et ça nous oblige à garder nos chambres propres, parce que quand on a une très bonne note aux inspections, on est exempté d'inspection pour le reste de la session. Donc comme ici par exemple, on a l'inspection qui a été faite et les joueurs ont eu de très bonnes notes, donc ils n'auront plus d'inspection pour le reste de la session. Je vais vous montrer maintenant comment ça se passe dans les appartements des résidences, donc suivez-moi. Donc aux résidences du Cégep, il y a des chambres, des appartements pour 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Et on va voir, je vais vous montrer comment ça se passe dans un appartement pour 4 personnes. Bienvenue chez moi. Donc vous pouvez voir qu'il y a une grande pièce à vivre avec la cuisine, une table à manger et le four. Ensuite ici nous avons la salle de bain. Salle de bain très récente, c'est-à-dire que tout est neuf, très récent. Ensuite, autour du salon, il y a les différentes chambres pour les joueurs de football. Une chambre ici pour M. Jules Beltrard, un coéquipier avant. Une autre chambre ici pour Enzo Grioso. Et enfin, la chambre de Damien Nicole, dans laquelle il travaille. Et nous avons l'aperçu d'une chambre avec 2 lits, parce que c'est une chambre pour 2 personnes ici. Voilà. Fait que les joueurs de football, ils résident principalement tous ensemble dans le même édifice et ils ont les mêmes appartements pour tous les joueurs de football. Ok. L'internet est compris aux résidences du Cégep. Il y a l'électricité, il y a l'eau, donc ça, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là.